L'outil suivant, ça va être l'outil œil rouge, pour corriger les yeux rouges. Or, c'est une image qui vient d'Internet parce que je n'en ai pas. Non, j'en ai pas. Et pourquoi? Parce que, en fait, ce phénomène ne se passe que si le flash est réellement très proche de l'objectif. Dès qu'on a. Donc, ça peut arriver sur un appareil, je veux dire. Un réflexe uniquement si on utilise le flash qui est sur l'appareil. Dès qu'on va prendre un flash qu'on vient rajouter au-dessus, quelque chose comme ça, je vais pas dire que c'est impossible à avoir parce que tout est toujours possible dans la vie, mais moi personnellement, je n'en ai pratiquement jamais. C'est quelque chose que j'ai pas. Donc l'outil œil rouge, il y a deux manières de le traiter. C'est la première, c'est de faire soi-disant un rectangle. Et en fonction des réglages ici, voilà, si c'est pas suffisant, on augmente un peu la taille de la pupille, CTRL-Z, et on recommence. Ne pas avoir peur de sélectionner l'œil bien large, parce qu'il demande 67% et le taux d'obscurcir en général. Moi, d'après mes essais, j'ai fait un 60, 70, ça a l'air de bien donner, mais j'avoue que je n'ai pas une expérience énorme avec cet outil.